une occasion de rassemblement, de réflexion, un moment de pause avant la folie dans les fêtes. Ou la magie de la musique et de la poésie qui nous permet justement de prendre un moment d'arrêt et de se préparer à la folie qui s'en vient. Je vais vous demander, comme à l'habitude, comme chaque année, de ne pas applaudir pendant la veille. De laisser le silence pour nous mettre. Si toutefois vous souhaitez manifester votre approbation à la sortie, il y aura des gens sur place qui vont les recueillir vos dons. Ces dons seront remis cette année à la coopérative de solidarité SAPSA, qui prend soin des moins chanceux dans la partie du Québec. Alors je vous prie, s'il vous plaît, d'être très généreux dans cet événement et de donner donc aux gens qui recueilleront vos dons à la sortie. J'ai aussi une petite demande un peu inhabituelle à faire. Nous avons bien sûr le micro de Radio-Canada avec nous. C'est l'hiver, c'est notamment des rues, des tours. Si vous étiez capable de tousser quand votre voisin chante à tue-tête, ce serait le bon moment de le faire pendant l'événement. Parce que bien sûr, comme à chaque année, on va vous demander, dans un esprit communautaire, de vous lever et de chanter avec nous. Je vous souhaite bonne route avec nous sur le chemin. Et à partir de maintenant, la communauté.